Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose ma recette des msemen avec un magnifique feuilletage grâce à une technique très simple pour plier vos msemen. Je vous laisse voir ça en vidéo. Dans le bol de mon robot, je viens verser 150 g de semoule extra fine. J'ajoute 300 g de farine. Pour ma part, c'est de la T45. Une cuillère à café de sucre en poudre. 4 g de levure fraîche. 5 g de sel, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je mélange le tout et j'ajoute 270 ml d'eau. Pour le dosage de l'eau, cela varie en fonction du type de farine utilisée ainsi que de son absorption. Ça peut donc aller de 260 à 270 ml d'eau. Ici, comme vous voyez, je mélange le tout avec ma cuillère en bois. Et ensuite, je vais venir la pétrir pendant 10 minutes au robot. On va la laisser pétrir jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Comme vous voyez, ma pâte est bien lisse et elle n'est pas collante du tout. Donc ici, je viens déposer ma pâte sur mon plan de travail. Comme vous voyez, je vais la pétrir à peu près 2 minutes, juste histoire de la ramasser. Si vous voyez que votre pâte est un peu trop collante par rapport à la mienne, à ce moment-là, ajoutez une cuillère à soupe de farine et laissez pétrir à nouveau jusqu'à obtenir la bonne texture. Et vice-versa, si vous voyez qu'elle est trop dure, ajoutez un peu d'eau. Ici, je viens graisser ma boule avec un tout petit peu d'huile et je la place dans un sac de congélation. Donc à ce stade, je laisse ma pâte reposer 30 minutes. Passé 30 minutes, je viens sortir ma pâte du sachet de congélation. Je la dépose sur mon plan de travail. Comme vous voyez, on obtient une pâte super souple qui s'étire très facilement. Donc là, on va la ramasser et on va venir former des boules. Ici, comme vous l'avez vu, j'ai huilé mes mains légèrement, c'est juste pour que la pâte ne colle pas à mes doigts. Pour des crêpes moyennes, j'ai divisé ma pâte en 8 boules. Afin d'éviter la formation d'une croûte sur mes boules de pâte, je vais venir les badigeonner d'huile et les déposer sur un plateau. Donc là, ici, mon plateau, je l'ai filmé. Et ensuite, je viens les recouvrir à l'aide d'un film alimentaire ou bien d'un sachet congélation. Ici, je vais laisser reposer mes boules, minimum 45 minutes. Sachez que plus vous les laissez reposer, mieux c'est. Donc l'étalage se fera plus facilement. En attendant, on va venir préparer ce qu'il faut pour le feuilletage. Donc ici, j'ai 30 g d'huile, 70 g de beurre fondu, 50 g de semoule extra fine. Et ici, pour le secret du feuilletage, j'ajoute une cuillère à café de maïzena dans ma semoule extra fine. Deuxième petite astuce, ici je vais utiliser un petit pot à épices que j'ai préalablement nettoyé et bien séché. Donc comme vous voyez, j'ajoute ma semoule extra fine dans mon petit pot et ça va me permettre de saupoudrer plus facilement mes msemen. Voilà, mes boules de pâte ont bien reposé, je vais venir commencer à étaler. Lorsque vous prenez une boule de pâte, recouvrez bien les autres boules avec le sachet de congélation ou le film alimentaire. Donc tout d'abord, je vais huiler le plan de travail. Je dispose ma boule de pâte et je viens étaler finement en étirant la pâte en partant du centre vers l'extérieur. Et ici, pour étirer ma pâte, j'utilise seulement l'huile. J'ajoute un peu d'huile et je retourne ma pâte à nouveau pour bien l'étaler. Ça évite qu'elle ne colle au plan de travail. Et ici, comme vous avez vu, sans effort, j'étire ma pâte très facilement. Et ça, c'est grâce au temps de repos. Quand vous étirez votre pâte, insistez bien sur les bords pour affiner au maximum.
fois la pâte bien étalée finement, on vient badigeonner de beurre. Soit vous utilisez du beurre pommade, donc ici c'est de la margarine, que j'ai chauffé 5 secondes au micro-ondes, soit vous utilisez du beurre fondu. Je viens ensuite saupoudrer de semoule. Et ensuite, on vient plier de cette manière pour avoir un super feuilletage. Donc là, j'ai plié des deux côtés. J'ajoute un tout petit peu de beurre. Je saupoudre de semoule et je plie à nouveau. Entre chaque pli, j'ajoute un peu de beurre et un peu de semoule. Je saupoudre de semoule et je plie. J'étale légèrement. J'ajoute un tout petit peu de beurre. Je saupoudre ensuite de semoule et je plie. Et on obtient un joli carré, donc super feuilleté avec plusieurs couches. Une fois avoir plié le premier msemen, on le dépose sur un plateau et on répète l'opération jusqu'à avoir façonné tous les msemen. Pour ma part, je préfère d'abord façonner tous les msemen, donc ça c'est pour éviter de gérer la cuisson et le façonnage en même temps, car comme vous allez le voir tout à l'heure, il faut sans cesse retourner les crêpes lors de la cuisson. Donc on n'aura forcément pas le temps de gérer le façonnage et la cuisson en même temps. Ici, vous avez aussi cette manière d'étirer la pâte. Donc comme vous voyez, je mets de l'huile, je prends ma pâte et je l'étire. Mais veillez à bien mettre de l'huile sur la pâte pour éviter qu'elle ne se déchire. Voilà, je le dépose sur mon plateau et je continue. Une fois terminé, on vient chauffer notre poêle et on va venir aplatir la crêpe sur un plan de travail légèrement huilé. Commencez toujours par la première crêpe qui a été façonnée. Et ici, étalez votre crêpe finement ou bien légèrement épaisse. C'est comme vous le souhaitez, c'est selon vos préférences. Une fois avoir bien aplati ma crêpe, je viens l'étaler directement sur ma plancha. Ici, je ne l'ai pas graissée, sachant que mes crêpes sont bien grasses. Il n'est pas nécessaire de rajouter de l'huile. Ici, dès qu'on les dépose, au bout de 30 secondes, on les retourne. Et on va laisser cuire la crêpe 3 à 4 minutes, mais sans cesser de retourner, donc jusqu'à dorure. Il faut veiller à les retourner plusieurs fois. Le msemen doit bien gonfler pendant la cuisson, c'est le signe de sa réussite. Et on continue à les retourner jusqu'à dorure. Donc vraiment, c'est important pour réussir vos msemen, n'hésitez pas à les retourner toutes les 30 secondes à peu près, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. En suivant cette méthode, vous obtiendrez un msemen bien croustillant, très bon et bien cuit à l'intérieur, bien feuilleté.
et après cuisson, je les dépose sur une grille. Et voilà, la recette d'Emsemen est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Croustillant à l'extérieur et super feuilleté à l'intérieur. Dégustez-les nature ou avec du miel, accompagné d'un bon verre de thé. C'est juste un régal. J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.